Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue chez Cinécité Léal. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour l'avant-première exceptionnelle du film Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. On est très heureux d'accueillir cette avant-première ce soir. Avant d'accueillir l'équipe du film, je vais vous demander de bien vouloir accueillir la journaliste de Combini, Manon Marcia. Que moi j'avais vu à la Mostra de Venise en septembre, mais ça avait été un gros coup de cœur. C'est un teen movie, film de vampire qui mélange plein de genres et plein de choses. Il avait reçu d'ailleurs à la Mostra le prix de la meilleure réalisation des Giornate degli Autori, qui est un peu l'équivalent de notre quinzaine de réalisateurs ici à Cannes, donc c'est un super beau prix pour ce film. Et on est là donc en présence de la réalisatrice, de la co-scénariste et des deux acteurs du film qui vont bien nous rejoindre, s'ils veulent bien. Donc, Ariane Lucet, la réalisatrice, Christine Fonny, la co-scénariste, Sarah Robetti et Félix Santana, qui sont les deux acteurs principaux du film. Difficile à retenir. Moi, je viens de dire qu'on avait envie de faire un film lumineux sur la mort, puis je ne terminerai pas parce qu'on va être là pour répondre à vos questions après, mais je vous souhaite une belle projection et merci de vous être là encore une fois. Je crois que M. Jonathan est le distributeur du film qui voulait venir dire un mot. Non, moi, je voulais déjà vous remercier tous d'être venus et remercier aussi les journalistes parce que je trouve qu'il se passe quelque chose autour de ce film et on a eu des partenaires merveilleux qui nous ont aidés à faire cette soirée, donc Combini en fait partie. Mais les autres comme Ciné Plus, je sais qu'il y a des gens de Ciné Plus dans la salle, il y a des gens de VO, il y a des gens de Sens Critique. Ça fait super plaisir, il y a Sophie, je vais nommer tout le monde juste pour ne pas faire de jaloux. Écran large, RMC, et en fait, c'est hyper important d'avoir des partenaires quand on est distributeur, surtout un distributeur comme nous, qui est considéré comme un petit distributeur. Et quand on voit un film comme celui-là, forcément, on a besoin d'être soutenu. Il y a aussi la délégation générale du Québec à Paris, qui nous a beaucoup aidés pour organiser cette soirée, donc je les remercie aussi. Et merci surtout à vous. Et bon film, malgré. Si vous voulez vous rendre aussi, c'est le film sort le 20 mars, donc mercredi prochain. Donc si vous l'avez aimé, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Et on se retrouve à la fin.